On se l'est déjà dit, mais tu veux acheter ta maison? C'est bien. Et tu veux préparer toi-même ton prêt immobilier? Bonne idée. Mais avant de cuisiner ton banquier, ce serait peut-être bien de connaître la recette. La recette du plan de financement. Les débutants n'y verront que deux ingrédients. Les plus aguerris savent qu'il y en a quatre. Une fois cette recette maîtrisée, la rencontre avec ton banquier aura une autre saveur. Je suis ravi de vous rencontrer. Salut, je m'appelle Nico, et avec mes quelques courtes vidéos, je vais t'aider à acheter ta première maison. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la base, gérer ton budget mensuel, choisir ta mensualité. Aujourd'hui, je t'emmène en cuisine pour préparer ton plan de financement. Une recette simple avec laquelle tu n'auras pas mal à la tête. Quatre ingrédients, un peu de préparation, et t'es prêt pour aller cuisiner avec ton banquier. Ben, on va peut-être commencer par boire une petite coupe, il est tout frais. Et le début de la recette, c'est maintenant. Pour préparer un bon plan de financement, il te faut avant tout ta maison, mais surtout son prix. Ici, on va prendre une maison riche en frais d'agence, mais tu peux aussi te permettre de t'en passer. Le prix de ta maison, c'est un plat qui s'accorde parfaitement avec des frais de notaire en accompagnement. Ni trop, ni trop peu, pour un plat équilibré, tu ajoutes à peu près 8% de la valeur de ta maison. Nous avons là notre plat originel. Pour y ajouter un peu de piquant, ton banquier va intervenir. Un soupçon de frais de garantie devrait relever un peu ton plat. Non mais c'est qu'il allait quand même pas m'oublier le garçon. En fonction de tes goûts, tu y ajoutes au minimum 1% du montant de ton emprunt. Si tu aimes les plats épicés, tu vas y ajouter 1,5%. Bien sûr, ton banquier est un gourmand. Il faudra donc y ajouter une pincée de frais de dossier. Ah bah faut bien que j'en prenne un petit peu hein. Ton plat est presque prêt, tu as l'ensemble des ingrédients, mais reste un détail en fonction de tes envies. On va le laisser réduire un petit peu. Une fois ton plat réduit du montant de ton apport, c'est prêt à servir et tu sais exactement ce que tu dois emprunter. Et j'espère t'avoir aidé avec cette courte vidéo. Si c'est le cas, like, abonne-toi et partage. En attendant demain pour une prochaine étape de ton achat, je dis porte-toi bien. Ciao, ciao!